mado fes in intie. Bibie, bibie, bibe mado fes in intie. Go sinin beche bado fe, sinin kenetie, sinin kene beche bado fe wo, bitie. Manu mani damu sense, ko bali maya folie, damu chamanye. Aye baba fo, kani badenya, ne wolo fafonye, kani badenya. Manu mani damu sense, ko bali maya folie wo, Tamuyo Folona niye kela diya folona o Folona niye kela diya folona Tamuyo Bibie, bibie, ça veut dire aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui appartient à certains, demain il ne les appartient pas. Demain peut appartenir à d'autres, mais le surlendemain ne les appartiendront jamais. Il y a des gens qui arrivent à maîtriser demain et après demain, mais le surlendemain, ils n'en ont pas. Demain appartient à certains, aujourd'hui m'appartient, toute vie humaine a une fin. Je m'appelle Yaya Koulibaly. Je suis marionnettiste de père en fils, de génération en génération depuis le 11e siècle. Je suis né un 26 avril 1959 dans le cercle de Koulikoro, un village dénommé Koula. Et ce jour-là, c'était la cérémonie rituelle du Djo, c'est une société secrète. L'enfant qui naît ce jour-là doit être nommé chef, même s'il n'est pas le premier-né. C'est ainsi que j'ai pu bénéficier de l'apport et la transmission du conseil des anciens, mais aussi l'esprit des ancêtres. L'histoire de la marionnette dans ma famille est très complexe. Je suis issu de l'une des plus anciennes et vieilles familles du Mali, où la marionnette était considérée comme le cordon ombilical et l'âme même du peuple bamana. Et c'était l'attribut de la cour royale. Et naturellement, j'appartiens à cette cour. Je suis descendant direct du roi de Ségou. Et mon ancêtre qui fut Mamadou Piton Koulibaly, puis à partir de la marionnette, arriver à faire une confédération de la jeunesse et propulser cet art premier. La marionnette qui est le premier élément de notre patrimoine culturel a une origine très 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 ancienne. Toutes les recherches, soit archéologiques, anthropologiques, socio-ethno-linguistiques ont prouvé que
Le Mali est à l'origine de la marionnette, ça s'est vérifié, et ça se situe environ 3e siècle avant Jésus-Christ. Moi, je me considère comme l'enfant de la marionnette parce que quand je suis né, le premier élément qui m'a ouvert les yeux vers l'univers, c'est la marionnette. Parce que je suis noble, je n'avais pas le droit de tailler le bois. Il a fallu attendre 10 ans. C'est ainsi que j'ai été confié à un vieux forgeron qui m'a initié au même titre que ses enfants. Et progressivement, de la conception, réalisation, fabrication, je l'ai appris en secret. Casser la gueule, tu vas voir. Mette, comme ce n'est qu'à moule, pas là, hein? N'y est moule, pas la quête. Mette. Adapte-la, mon mère, adapte-la. Adapte-la. Ça vient, mette. Tout patrimoine, ça peut être un patrimoine familial, ça peut être un patrimoine national, est appelé à évoluer. Toute culture qui ne vit pas est appelé à disparaître. On a eu la chance d'aller hors du Mali. On a pu voir le travail des autres. D'humain à humain, nous avons volé, c'est certain. Et les autres aussi en ont volé chez nous. Nous sommes tous aujourd'hui considérés comme des métis culturels. Chaque artiste est le témoin de son époque. Et sans l'amour des autres, il n'est rien. Nous devons laisser aussi notre empreinte. Et ceux qui viennent après nous aussi peuvent, tout en gardant l'arsenal traditionnel, évoluer vers d'autres créations, d'autres types de supports. Voilà. Ding 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 ding
ils ont intégré, ils sont plus pas. J'ai hérité de la marionnette dans la famille depuis les temps immémoriaux. La transmission se fait de père en fils, de génération en génération, jusqu'à moi. Mes aïeuls, mes grands-parents, mes parents les ont jalousement préservés et ils m'ont transmis ces savoirs. Et j'ai aussi l'obligation de transmettre ces savoirs à mes enfants, quitte à eux maintenant, de continuer. Aujourd'hui, je suis très fier parce que tous mes enfants, petits et grands, filles aussi bien que garçons, ils connaissent tous la symbolique de la marionnette et ils interviennent tous dans la manipulation de la marionnette, dans la façon de réincarner la vie dans la marionnette. Mon petit garçon, Mohamed, qui s'appelle Momo, il a 4 ans, mais il est avec nous à tous les jours, à tout moment. Donc nous vivons avec les marionnettes à la maison, elles occupent plus de place que même les humains. Considéré comme l'enfant de la marionnette, je suis aussi l'enfant de deux cultures. Je suis considéré comme une chauve-souris. C'est-à-dire que je suis à la fois africain et blanc. Parce que j'ai été à l'école des blancs et ça m'a permis d'avoir le concept occidental, en même temps de garder le concept traditionnel dans mon âme. Donc j'ai un pied dans la tradition, un pied dans la modernité. Donc je suis l'élève du conseil des anciens qui est là, qui vit, et toute ma vie c'est la marionnette. Je me suis dit que pour la préservation, pour la conservation, pour permettre justement à cet art premier de continuer et de raconter les merveilles de la vie, et il m'est arrivé à l'esprit, dans les années 1980, de mettre sur pied une troupe de marionnettes, exclusivement que des marionnettes. Cette troupe-là s'appelle la troupe Segoulon, qui regroupe toutes les formes des marionnettes. Au niveau du tissu culturel au Mali, nous disposions à l'époque deux grandes archives. Il y avait les manuscrits à Tombouctou et il y a la collection de ma famille. Nous nous en détenons plus de 25 000 marionnettes de toutes les époques. Donc mes grands aïeuls, mes grands-parents, mes parents ont été dignes de leur maman jusqu'à me transmettre moi aussi le savoir et j'ai le droit aussi d'être digne de ma mère. C'est pour cette raison que j'ai dit à mes frères, à mes soeurs, à mes enfants, écoutez, partons de ce patrimoine familial. En faisant un métier et ouvrons-nous vers les autres. C'est là le but de la création de la troupe Segoulon. Ma maison est une école, ma maison est un dépotoir, ma maison c'est un sanctuaire, ma maison c'est un musée, ma maison aussi c'est un cercle familial, ma maison c'est un théâtre, ma maison c'est un lieu hanté, ma maison c'est aussi une maison d'animiste. Parce que tout ce que je possède comme patrimoine là, les différentes religions sont contraires. Mais...
Chaque matin, 4 piles, moi je suis debout. Je sais qu'au niveau de l'atelier, il y a une permanence. Il y a Moussa Diarra, il y a Ousmane Koulibaly, il y a Yaya Camara, il y a moi-même, il y a ma femme et les enfants. Et ils montent les castellets, ils montent les marionnettes. Si par exemple quelques robes sont ficelées, ils raccommodent. Si elles sont beaucoup plus compliquées, je les restaure. Les autres, ils essayent de les répartir et de replacer chaque marionnette à sa place. Et préparer aussi à la fois l'espace et les marionnettes avant les heures de la répétition. La marionnette ici est considérée comme un être humain. Quand elle est abîmée, si on ne peut pas du tout la restaurer, elle a droit à des funérailles comme une ancêtre qui remplit ses jours. Être manipulateur, il faut avoir une santé de fer. Il faut être physiquement prêt parce que la nature de nos marionnettes est telle que si on n'est pas physiquement apte, c'est difficile. Il y a la préparation physique comme un sportif. Mon spectacle est un spectacle complet. Chaque fois qu'on en a la possibilité, les musiciens sont là et ils sont en transe. Les danseurs sont là, ils sont en transe. Spectacle complet qui fait notre force et qui est une originalité dans notre création. Dès qu'on est sur la scène, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes en transe, nous sommes devenus comme les esprits. Nous sommes le représentant de Dieu, nous sommes les élus, nous sommes les représentants des ancêtres. Un marionnettiste de la compagnie Sogolon est aussi musicien, il est aussi danseur. C'est pour cette raison qu'ils arrivent à s'adapter à toute forme de création. Pas le masque lion, il faut incarner l'animal. Il faut comprendre quelles sont les motivations de cet animal, quels sont ses comportements, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités. Cette préparation physique permet au manipulateur de prendre la statue de l'animal et l'incarner comme si c'était vraiment l'animal vivant. Tu ne vois plus la différence entre marionnette et manipulateur ou entre marionnette et danseur. Thank you.
a des femmes, il y a des hommes qui viennent tout de suite là et qui se mettent sur la scène et qui dansent. C'est comme la fête au village. Dès qu'une marionnette est sur la scène, c'est l'esprit de la fête. Et ça libère tout le monde. Toute chanson qui accompagne les marionnettes est une chanson très symbolique, ce qui fait que chaque marionnette a sa musique, a sa danse et a sa chanson. Viens ici, ma fille. Oh non, non, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, car... Nani. Nani, t'es là. Neko, Nani, t'es là. Nani, je l'ai fait. Oh, Nani. Nani. Ah oui, tu es trop bon, on va venir à combler. Oh, je suis parti. Apaiser la couleur, voilà la couleur de nos ancêtres. Ce patrimoine, si nous ne faisons pas attention, dans les années qui viennent, ça va être difficile. Ce n'est pas tout simplement dû à l'action néfaste des différentes religions, ce n'est pas du tout simplement aux conflits qui rongent nos sociétés, ce n'est pas dû à la pauvreté, c'est dû tout simplement à l'exode de la jeunesse. Parce que malheureusement, nous sommes arrivés à une période où les enfants prennent moins de temps. Ils n'ont plus un temps d'écoute pour les parents.
Or, la transmission ne peut se faire que quand un enfant a un temps d'écoute pour son père. Moi, je suis considéré aujourd'hui comme l'élève du conseil des anciens. Et les marionnettistes, même les fils de forgerons, quittent le village pour venir se former chez moi. Autour de la marionnette, on peut raconter des contes. Autour de la marionnette, on peut raconter l'histoire d'une vie. Autour de la marionnette, on peut expliquer, par exemple, la dispersion du peuple mandinka, c'est que les marionnettes qui les racontent. Le marionnettiste, c'est un historien. Le marionnettiste est un thérapeute. Le marionnettiste est un sorcier. Le marionnettiste est un guérisseur. Le marionnettiste est un enseignant. Le marionnettiste est un formateur. Le marionnettiste, c'est un ancien de la vie. Allez, la fille aux toilettes, allez, donc, maintenant. La fille aux toilettes. Celui qui manipule la marionnette, ce n'est pas lui qui manipule, c'est à l'inverse, c'est la marionnette qui manipule le manipulateur. Il y a des spectacles de 15 minutes, il y a des spectacles de 20 minutes, il y a des spectacles de 3 heures de temps. Je m'adapte à tout. Je peux jouer sur la place du village, on fait un cercle autour de moi. Je n'ai pas besoin d'une installation particulière. Je considère le public comme étant une partie intégrante de ma création. Ces créations évoluent en fonction aussi de l'âge de mon public. Le plus vieux de mes spectateurs, c'est l'enfant qui vient de naître. Et le plus jeune, c'est un vieux de 200 ans. Thank you.
appartenons à une société bien codifiée. Le sacrifice nous permet de nous éloigner des contradictions dans la vie. Ça nous protège, c'est comme des amulettes, ça nous protège, c'est comme un bunker pour nous. Alors chaque fois qu'on a la possibilité de sacrifier soit un poulet, ou une chèvre, ou une vache, à la limite un mouton, donc ceci nous apporte la chance dans la vie, ceci aussi nous permet d'avancer, et ceci permet justement de satisfaire aussi à l'esprit des ancêtres. Les sacrifices nous servent aussi de relais entre le monde de l'au-delà et notre monde actuel. Ça nous permet d'être nous-mêmes. Ça nous permet de lier notre amitié avec la nature. Le sacrifice n'est pas tout simplement tuer un animal. On peut offrir des noix de cola, on peut offrir des dattes, on peut aussi préparer un grand repas. Les gens viennent manger et ils forment des vœux à la fois pour la vie tout court, à la fois pour l'environnement, à la fois pour l'esprit du ciel, de la terre, de l'eau, du vent. Nos parents passaient de village en village et ils jouaient. Et la première école de formation du peuple bambanan, c'est la marionnette. Et c'est autour de cet élément qu'on peut retrouver toutes les formes d'art. Il y a le feu, il y a la sculpture, il y a le tissage, il y a la peinture, il y a la danse, il y a la musique, il y a les chants. C'est autour de ce seul élément qu'on peut trouver la vie tout court. Et quand les marionnettes apparaissent sur la scène, donc c'est le rassemblement du peuple. On oublie qui on est.
Comme moi j'ai beaucoup managé les artistes. Voilà, je le connais depuis qu'il était à l'INA. Du point de vue forme théâtrale, au Mali, nous avons quatre types de théâtre de marionnettes qui est extrêmement important. Nous avons la première forme qui est considérée comme la forme rituelle et sacrée qu'on appelle le septennat. C'est-à-dire que les marionnettes apparaissent une fois chaque 7 ans dans le bois sacré et c'est la transmission du savoir. La deuxième forme, qui est considérée comme le théâtre semi-sacré. Elle garde le côté sacré, le rituel a lieu dans le bois, mais les spectacles ont lieu sur la place du village. Et ce sont en ce moment-là les adultes, les vieux qui manipulent ces marionnettes-là. Les jeunes n'ont pas le droit de toucher à ça. Thank you.
Et la troisième forme arrive qu'on appelle les marionnettes traditionnelles. Ces marionnettes traditionnelles apparaissent en ce moment-là quand les premières pluies tombent. Parce que la sortie de la marionnette coïncide aussi à ce qu'on appelle la sexualisation entre le ciel et la terre. Et quand les premières pluies tombent, ces premières marionnettes traditionnelles doivent sortir et danser. Ça donne lieu au carnaval de fête de Semaï. On sort, le vieux sème les premières graines et après il donne l'autorisation suivant un calendrier dicté par le Conseil des Anciens. La quatrième forme, c'est les marionnettes dites populaires. Elles gardent toujours le côté sacré, mais leur utilisation maintenant, c'est l'apanage de la jeunesse, dans sa diversité d'expression. C'est le seul animal qui connaît les mystères du jour et de la nuit.
Cette marionnette a passé au rituel depuis le 13e siècle. Chacun en a apporté son empreinte. Il n'y avait que le kaolin, il n'y avait que la terre glaise, il n'y avait que les excréments du vautour, de la hyène et du crocodile qui servaient à la peinture générale. Mon époque a coïncidé avec l'apparition de la peinture synthétique. Alors j'étais obligé en ce moment-là de repasser cette peinture-là pour mieux la protéger. Donc toutes les sociétés d'initiation au Mali ont pris la hyène comme étant leur emblème. Chaque fois qu'on est au village, c'est la première marionnette sacrée qui doit sortir pour purifier l'espace de jeu. Le spectacle commence par cette marionnette et le spectacle se termine par cette marionnette. Ma maison, c'est un village. Je suis entouré par mes poules, par mes poussins. Tous les jours, il y a Cocorico. J'ai mes cabis, ils sont là. J'ai mes chèvres, j'ai mes moutons. J'ai mon chien à la maison. Aujourd'hui, je suis considéré comme l'élève du conseil des anciens qui a un pied dans le village et un pied dans la ville. Je sers de relais. Je vis accidentellement à Bamako. Je n'aime pas vivre dans la ville parce que ça m'éloigne de la vie royale. Ça m'éloigne de mieux enseigner aux enfants les meilleures méthodes. Mais en même temps, le fait qu'il habite aussi la ville permet aussi aux enfants de retourner à ses amours et d'avoir aussi des repères. Et chaque fois que les marionnettes apparaissent chez moi, dans la rue ou dans l'atelier, c'est tous les enfants qui arrivent. La parole, elle est sacrée. La parole est considérée comme une plume d'oiseau. Dès que tu la lâches, tu ne peux plus la récupérer. Mon père m'a dit, oh, fembe ba ba a dengolo, nga kuma de ba a baolo. Toutes les créatures terrestres enfantent. Mais c'est la parole qui enfante sa mère.